plaisir. Yo les gens, c'est Raiden, on se retrouve donc sur la deuxième map. Deuxième map, excusez-moi. Deuxième épisode de la map le monde, les mondes de Ralph, c'est ça? De Rolf, je sais plus trop. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est deuxième map, donc voilà. Tu peux redire bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Et donc. C'est comme le film. Tu connais le film? Le dessin animé plutôt. Ouais, je connais, ouais. Ouais, bah, je trouve que c'est cette map a l'air bien. Bon, si vous voulez aller voir le premier épisode, on a bien galéré, hein. Voilà. Ouais. 23 minutes presque pour Ouais, par contre là, il y a encore ça bug. Ouais, je sais pas si ça bug, je pense pas que c'est moi mais. Vas-y. Oh, donc alors, le dernier épisode on a eu la laine bleu clair. On a eu la laine bleu clair. Donc cette fois, on va la voir la laine, je sais plus. Rouge. Voilà. La laine rouge pour aujourd'hui. Voilà. Allez. Donc on va aller à la laine rouge. Hein. Et dans le monde donc. De... Donc c'est tourné à la suite. Donc les deux épisodes, ils vont tourner à la suite. Ah, non, c'est le niveau 7. Non, ça c'est level 2, c'est là en fait. Donc alors c'est Munder Quiz. Ah ah ah. C'est le quiz. Allez, à voir. Quiz. Non plus j'aime pas les quiz. En fait je sais pas en fait Murder Quiz, je sais pas c'est quoi. De toute façon c'est peut-être pas un quiz hein. Je sais pas c'est quoi mais ça a l'air d'être chiant. Ah les 7 mondes donc ça doit être des mondes différents. Avant c'était un jump. Ouais ça c'est ok. Alors ah, c'est Minecart. Ça c'est Minecart, ok. Alors faut prendre des Minecart. C'est quoi l'eau? Ah, y'a un truc au moins dans l'eau. Il faut aller où? What? Faut aller dans l'eau non? Non, faut aller là? Ouais, là. Oh putain. Je pense. Ouais, hop. Ok. Ah merde, ok, ah ouais, carrément! Attends, attends. Attends avant d'y aller. What? Ah ouais, c'est carrément un quiz! Qui a inventé le premier vaccin contre la rage? Attends, j'ai pas de... Ça se fout de ma gueule, là! Qui a inventé le premier vaccin contre la rage? C'est qui? Arrête! je sais pas, attends, y'a quoi comme nom? Y'a Edward Jenner et Louis Pasteur. What? Edward. T'es sûr? Ouais. Allez. Ok! Molos! Ah, c'est trop marrant comme truc! Attends, c'est où, c'est à droite, à gauche? C'est là. Enfoiré! Et ton Minecart, il est parti tout seul? Oh. Attends, avant d'y aller, t'attends. Donc, Louis Pasteur. Hop. Oui, Pasteur! Sans deck! Vas-y, je te l'ai mis. J'arrive. Oh! Attendez, je suis sorti de mon Minecraft, je te suis appuyé. Alors, quel chanteur français interprète Bioman? Corbier! T'es sûr? Ok, donc on prend l'autre. Allez. Oui. Alors, tu es Corbier. Ce bâtard. T'as compris de ce que je dis, en fait. Alors. 8 x 9, 62. Ouais, ça c'est facile. Je sais pas, moi. 72, allez. Je connais pas mes tables. C'est facile, ça. Alors. Quel est le symbole chimique de l'eau? O2, H2O. C'est H2O, je le sais. Ouais, c'est H2O. Ouais, on l'approche Simi, hein. Vas-y, Nick Taros. Facile, ça. Bon. Ouais. Non. Ok, j'ai glitché un truc, j'ai même pas eu la question, j'ai été glitché. Je suis directement passé. C'était quoi la question? Attends, j'arrive pas. Quelle maladie est sexuellement transmissible? Le sida ou le...
Vas-y, là, à toi, à toi. Qui a écrit Imagine? Paul McCartney ou John Lennon? Facile. Bah oui, on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait en musique, les gens. Merci, si à propos de musique, on t'aime. Non, 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 quand même pas. Non, 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 non. Attends, quelle est la capitale du Pérou? Lima ou La Paz? La Paz, pousse-toi, pousse-toi, c'est La Paz, c'est La Paz. En fait, je crois, je sais pas sûr. Eh ben non, c'est pas La Paz. Eh non, tu dois te jeter dedans aussi, toi. Si, parce que normalement, si, normalement, si. Eh, normalement, si. Eh, jette dedans. Non, ouais, de toute façon, je te compte comme un truc de mort parce que c'est comme si c'était à deux. Hein. Je crois que cette map, on doit la faire tout seul en fait, mais. Bah, je crois. C'est pas grave, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Eh, imagine, hein. Ouais. Ta gueule. Ok, je me suis gouré de côté. Elle n'empêche ça, mais. En fait, qu'est-ce qu'on apprend en cours? C'est pas tellement con. Hein. Physique, hein? Ouais, ça va pas. T'as respawn au lit au moins là? Bah oui, tout début là. Ah, bah je t'attends. T'en es où toi? Bah je suis encore à la question rouge, mais je vais t'attendre à la prochaine question en fait. Pardon. Alors, faut que j'aille par là. Putain, ça redescend et puis tout. La prochaine question, bah, je t'attends, je vais la lire. Mais t'as dirigé le levier vers la bonne direction? Du bon côté, le levier. Genre le sida ou machin, je n'ai même pas vu le truc. La question d'après, j'ai pensé à un autre truc, tu comprendras. Alors on va dedans, hop. Alors. Tu comprends un autre truc que le alors. Coup, comment appelle-t-on le plus gros doigt de le plus gros doigt de la main? Le non 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 c'est le pouce. Je t'ai envoyé, ça peut marcher. Alors le printemps de spring. Attends, à quelle saison les arbres perdent-ils leurs feuilles? Le printemps ou l'automne? L'automne. L'automne. T'en rends compte toi? Oh le bolos! Qui chante Willax? Stromae, Mika? Mika. Ah, je sais pas, je m'écoute. C'est Mika, je sais, ouais, je connais. Ok, j'ai fini! Wow! Wow, magnifique! Oh, attends, moi! Oh. J'ai dormi. C'est la guerre! Et non, en fait, c'était quoi ce quiz? Ah merde! Bitos. Le truc de la moitié. Attends. Ah merde, ah, y a encore un quiz. Non, c'est encore un quiz, c'est encore un quiz. Moi, je vois. Oh merde. Et ton Minecraft, il fait chier. Mais non. Là, je suis pressé, l'autre. Mais dégage. Allez, dégage. Alors. Mais attends, mais mec, j'arrive pas à y aller. Enlève le Minecraft. Quel est le plus lourd, attends, quel est le plus lourd entre 1 kg de plume ou de plomb? Attends. Attends, qu'il est, attends. Ou de plomb. 1 kg de plume. Aucun non. Mais ouais, 1 kg de plume. J'ai rien compris. Mais je suis sûr que c'est un piège, non. De plomb, vas-y. Mais de où 1 kg de plomb? C'est aussi grand qu'un kilogramme de plume. De où? Ah merde. Mais il se pose pas mon Minecraft, what the fuck? Si, 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 il s'est posé, mais en fait il s'est barré aussi. Attends, je vais devant. Non, mais là devant, tu vois, il y a 40 000 Minecraft, tu vois. Bah attends, j'en prends un. Attends. Mais non, pourquoi tu l'as enlevé? Mais dégage! Voilà. T'as un mec, t'es sérieux? Mais j'ai rien fait. Mais mec, je suis parti tout en arrière. Bah allez, avance, on l'a déjà fait celle-ci. On l'a fait celle-là? Oui!
C'est celle-ci qu'on a eu faux. Mais non! Le bolos! Ça avance tout seul! Ah, le bolos! Allez, alors le prochain, allez, c'est parti. Voilà, aucun, none. Je suis parti, moi, je suis passé. En gros, faut pas, quand t'es au minecart, faut pas que tu bouges en fait. Tu bouges pas ton joystick. Alors. Qui est le guitariste de Léo Zeppelin? Je le connais même pas, le mec. C'est qui le guitariste de Léo Zeppelin? Robert Plant ou Jimmy Page? Attends, j'arrive. Toc. C'est qui? Mais dégage! Faut pas que tu bouges ton minecart! Putain, il est vraiment pas doué ce mec, hein. Désolé, mais. C'est pas gentil. T'es pas doué quand même! Mais c'est pas ma faute, c'est les minecarts, il m'a. Mais quand ça avance! Non, tu bouges pas ton joystick. Alors, qui est le guitariste de Léo? Bah, en fait, c'est Jimmy Page, hein, on va le savoir. Hein, Je pars en mais... arrière. Allez, go! Alors, combien de molaires a-t-il un adulte? Oh, je vais te suivre à pied, ça me coûte 100 000 deniers. Combien de J'ai molaires. pas d'escarpe. Combien. Et combien de molaires a-t-il un adulte? 12 ou 6? 12, non? 12. T'es sûr? Bon, on va faire confiance pour une fois. Ouais, t'as raison. Que boit une vache? Du lait et de l'eau? Bah, de l'eau, ça faut pas être con. Lourd. Ça, c'est une question super piège, tu vois. Qui chante mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois? Dorothée ou Ariane? Ariane, parce que c'est. Ouais, Ariane Dufour, allez, vas-y, on prend Ariane, allez. Allez. Et c'était Ariane! Ah non! C'était Dorothée. Désolé, Ariane. Si elle regarde la vidéo. Alors, on regardera pas, c'est. Ah, si, elle le sait, bah oui. Je te limite mon sens. Ouais, comme ça, je peux y aller. Pas là, je peux y aller en mode normal, tu vois. Hop, moi je suis à piège. C'est un peu bizarre quand même. Ah, je me lave, ça fait peur. Non, mais mec, tu vas pas. Pose toi. Quel est le plus petit nombre premier? Hein? 3, 2. Attends, pose toi. Quel est le plus petit nombre premier? What? Bah c'est 2 normalement. Plus petit nombre. Ça marche pas, vas-y. Quel est le plus petit nombre premier? 3, c'est un piège, c'est trop. Ouais, vas-y, 3, allez. Ouais, c'était 3, t'as vu? C'est un piège. Quel est le pays du kangourou? L'Australie, tout le monde le sait, ça, putain. Allez. Non, moi je le savais pas. Vous savez pas? Non, je sais pas parce que j'ai pas vu, j'ai pas entendu. C'était quel est le pays du kangourou? Ah, bah si, l'Australie. Alors, qui chantait The Final Countdown? L'Europe, pousse-toi. Ou l'Asia? The Final Countdown. Vas-y. Normalement, je dirais l'Europe. Bon, c'est l'Europe. Allez, chut. Ouais, peut-être. C'est l'Europe, t'as vu, Ouais, ça y c'est est. l'Europe. Alors, qui a trouvé la formule E égale MC par 2? Bah, c'est Stein. Ça, je le sais, je l'ai vu dans le Scoot Midi. Allez, salut. Ouais, j'ai réussi. Allez. Oh non, putain, il y a encore un truc. Putain, bah, tu vas encore nous suivre à pied, non? Laisse-moi le premier. Laisse-moi aller devant. Allez, salut. T'es méchant. Oh putain, quel arbre produit le latex? Mais viens à pied. Oh, mais après, je suis trop loin. Quel arbre produit le latex? AVEVA ou ALAVERA? Ah, mais t'es obligé d'aller aussi près, s'il te plaît, Ah, parce que je vas-y. vois rien en fait. Allez, vas-y.
Dégage, dégage! Arrête, arrête! Bon, tu dirais quoi? Ah oui, allez. Allez! On l'a vu en espagnol il n'y a pas longtemps. Ah bon? Bah oui, il y avait que le chewing-gum et tout, Ah bizarre. oui, ouais! Un chasseur tire sur deux oiseaux. Il y en a un, il en reste. Bah, il en reste. Il tire. Non, il tire. Un chasseur tire sur deux oiseaux. Il y en a un. Un, il en reste. Il en reste un, sinon il y en a eu un. Mais non, il tire sur deux oiseaux. Pour moi, il n'en reste pas. Dégage. Sinon, tu vas mourir. T'as vu, hein? Allez, tiens, bim. Mais dégage, wesh. Mec! Ok. C'est ça. C'était quoi la question? C'était dans un pré, il y a deux, trois vaches, deux coqs, un mouton et le berger. Il y a 22 pattes au total. Ou il y a 20 pattes au total, et c'était 22. Ok. Alors, comment appelle le poisson de la petite sirène? Polochon, ponchon. Hein? Par contre, fais-moi pas tomber cette fois. Alors, c'est Polochon ou Polochon ou Polcon? Je sais pas, pour le chant, ouais. Polochon? Non, Polochon, ça c'est pas dans les profs, ça. Non, c'est poncho, là. Vas-y, allez, on fait ça. Allez. Non, c'est pas ça. Mais Allez, salut! mec, il dit ça après. Et Polochon, pour moi, c'est le mec dans les profs. Profs. Pour moi, ouais. Pour moi, c'est ça. Oh là là, c'est vraiment pas possible. Voilà. Qui a Ah. dit Eureka? Ouh, je sais pas. Qui est-ce? Je sais pas. Archimède ou Pythagore? Pythagore, parce qu'on. Merde. Putain, t'as pas tourné le levier, t'es sérieux? Pythagore. Mais mec, t'as pas tourné le levier? C'est pas Pythagore, c'est Archimède. Oh merde, bah attends, je vais te le faire. Putain, mec. Tu En l'as plus. déjà fait? Et à chaque fois que je meurs, il meurt en même temps. Hein. Par contre, hein, je vous le dis, hein, le compteur de mort, c'est pareil, hein, vu que normalement on a deux, tu vois. Merci. C'est pas Pythagore. Attends, alors c'est pour le chon. C'est pas Pythagore, Et je le pousse-toi un sens. peu, s'il te plaît. Voilà, ok, on y va. Mais... Non! Mais s'il te plaît, j'avais pas vu la question! Je vais trop vite! Ça m'énerve. Alors là, comment c'était? Va pas dans les rails, va pas dans les... Attends, attends. Va pas dans les rails, hein, s'il te plaît. Non, je suis pas. C'était quand Dans même... quel film joue Bruce Willis? Il était tombé dans attends, Backdraft Et l'autre, ou c'était quoi? Hudson Hawk, je sais pas le dire. Hawk, Hawk, ouais. Ah, En c'est fait, c'est bon. ça qui est bon. Ok, bon, on va par là, alors. Alors, en duel, en quelle année est sorti le premier album de Daft Punk? 96, 97. Mais sous ma gueule. Ça. 17. T'es sûr? Non, non, je suis pas sûr moi. Non! 17. Ouais, c'est ça, de toute façon. J'avais vu avec les rails. Arrête, c'est pas. Faut pas voir, faut pas que tu regardes. Quel est l'autre nom du pôle sud? L'Arctique ou l'Antarctique? C'est l'Antarctique. L'Antarctique. Ouais, c'est l'Antarctique, tu sais ça. Eh, on est con, mais pas à ce point-là, hein. Comment s'appelle le passage de l'état solide à l'état gazeux? La vaporisation ou la sublimation? Non, ne pousse pas, ne pousse pas. Non, la sublimation. Attends, la vaporisation, c'est de l'autre. C'est de l'eau solide à l'eau gazeuse. C'est la vaporisation. Sublimation, c'est l'inverse. Non, c'est la vaporisation. Ah non, c'est de l'eau liquide à l'eau gazeuse.
La vaporisation. Bon bah c'est la sublimisation, bon, t'as raison, allez-y quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est l'interprète de Born to be Alive? Born to be Alive. Patrick Fernandez ou Patrick... Non mais regarde pas mec. Patrick. Tu veux pas rester à côté de moi parce que comme ça tu vois pas la lave, tu vois. Bah en fait je vois pas parce que ça va tous les deux tout droit. Alors tu sais quoi? Bah pour moi c'est ça. T'es sûr? On va à côté Fernandez. alors. Allez! Alors, quelle est la phobie du chiffre 4? Tétraphobique ou tétraphobie? Fais à droite. Ouais, moi aussi. Allez. On est des thugs ou quoi? Voilà. Quel est l'autre nom Je vois du. qui font du bruit. Quel autre nom du miplap, du dipode ou clilopode? Ouais, mais en fait, je sais pas. Je crois que c'est diplode en plus, je crois. Ah non. Bah si, t'as vu, je t'avais dit. Putain. Bon, je me TP sur toi là parce que j'ai la flemme, tu vois, de tout refaire. Hein. Alors, Attends. le premier succès de Pousse-toi! Et pousse-toi! T'es sérieux? solo? Quel est de Goldman en solo? Et pousse-toi, s'il te plaît! Merci! Alors, il suffira, je te donne. Je sais pas. Bon, je te donne un pénis, allez! Moi, je te dis rien parce que je vois c'est vers où. Et aussi, c'est pour ça. Ça, c'est le problème d'être à pied, en fait. Tu sais? C'est chiant. Ah, attends, reste comme ça, voilà, tu restes toujours comme ça, tu vois, toujours sur le côté, comme ça tu vois pas. Alors, is our bo oh, non merde. Notre corps contient-il du sable? Tellement que c'est con, je dirais oui. Et puis je dois aller, et je dois aller, et je dois arrêter en plus. Moi je dis non. Allez, voilà, c'est contient du sable, allez. Le corps contient du sable. Ok, ma mère. Bon, je pense, je vais faire une ellipse. Ellipse. Heureux, donc désolé après l'ellipse. Donc on a corrigé un peu les. Bah, j'espère que là, le micro bah, d'Alex là, on l'entend mieux, je pense. C'est pas au pire. Ouais, J'espère. parce que voilà. Donc on compte. Non, je vais pas tomber. Alors, quel est le pH du Coca-Cola? Pour moi, je dirais pas ça. Je dirais plutôt 2,3 parce que c'est pas trop. Si, je sais pas. Allez. Ah. Alors, qui chante Bent in Black? The Rolling Stone, pardon, et ou AC/DC? Ici, non. Bah, je dirais plutôt l'autre, je sais pas. Je sais pas en fait, je connais pas. Je connais The Rolling Stone, mais c'est tout. Toi, tu Bon, je dégages, connais pas tu non fermes la plus. porte. Merci. Tu veux go? Dégage. Voilà. Donc, alors, qui a chanté? Alors, bon, allez, ouais, vas-y, allez, go. Allez, hop. Ah, c'était The Rolling Stone. Qui a inventé les transports en commun modernes? Blaise Pascal ou René Descartes? Tu dirais quoi? Pascal. Donc alors c'est René. T'es méchant. Ah non, c'était Blaise Hey, Pascal. j'avais raison. Bon, je me TP, hein. Parce que ça, désolé, on se permet juste ça pour pas que l'épisode dure trop long. Tant. Tu vois, c'est trop long. Après c'est trop long et puis c'est pas intéressant donc. Ouais. Ouais, merci. Tu veux changer un peu les rôles? Tu veux aller dans le minecart? Vas-y, si tu veux. Vas-y. Je vais me taper ça moi. Alors attends. Par contre, tu vas. Non!
Attends. Ah bah c'est le dernier et après c'est fini. Alors, quel est ce que le soliste d'été? Le jour le plus long ou le jour le plus court? Hein? Bah Oui, de toute c'est. façon, c'était sûr, c'était ça. Ouais. Je sais pas. Moi, je savais que c'était ça. Voilà. Ah bah, c'est puni. Attends, je peux faire une énigme. Il y a une laine rouge. Je peux faire une énigme. On doit aller là. Ouais, je pense. Je peux faire une énigme. Vas-y. C'est quoi l'énigme? Attends, par contre. Attends, par contre. Pas, genre, je sais pas, ton micro il grésille un peu. Attends, alors on vous laisse 10 secondes pour réfléchir. je sais pas, enfin breton. N'importe quoi. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Hein. Non, c'était pas par Ah fuck. là. Wow. Mon coup n'est pas fatal. Et salut, je. On a la ligne rouge. C'est toi qui la mets cette fois la ligne rouge ou c'est moi? Moi j'ai la ligne rouge. Ok, bah voilà, ok. Ouais, si tu veux, je la mets, je m'en fous. Ouais, je bug un tout petit peu, je me téléporte. Ah, c'est toi qui mets le bloc, enfoiré! Allez, allez, salut, moi je vais poser. Vas-y, hein. Attends, faut que tu fasses voir en vidéo parce que sinon. Bon, tu la poses bien là, hein, là où j'ai posé. Le mec qui se loupe. Attention, suspense. GG! Donc voilà donc. Second. Ah oui, non, maintenant, c'est faut que je boucle l'épisode, hein, c'est vrai, hein. Voilà, hein. Ah oui, mince. Ouais, parce que pour Ah nous ça désolé. fait. Eh! Pour nous ça fait genre 2-3 minutes. Donc, alors voilà. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi. Donc voilà. Et puis, on va se retrouver dans quelques jours. Ouais, pour le troisième épisode, on aura la laine jaune. Voilà. Laine jaune. Et ce sera quoi? Je sais pas. On va voir. 10 secondes. Ça sera. Je crois que c'est un monde bizarre, là, je sais plus le nom. Ça sera un Pac-World, je sais pas. Un Pac-Man! Oh non. Oh non. Ouais, ça va être chaud, à mon avis. Bon bah voilà, vous verrez ça au prochain épisode. Donc voilà. Allez, bye bye!